Tous les soirs, c'est l'émission rap Nouvelle Génération avec Coverglow.com. Ghetto Blaster, spécial Gros Dash. Vous êtes bien sur Explicit Content, l'émission c'est Ghetto Blaster et je suis votre serviteur driver et je suis accompagné de Miss Ariane. Ariane, comment vas-tu? C'est la semaine spéciale Gros Dash, l'album sort dans les bacs le 23 mai et il est avec nous ce soir. Comment ça va? Ça va et toi, tranquille? Bah ouais, très bien. Driver, relax. On est là, pleine forme. Qui sort dans les bacs le 23. Double album. J'ai l'honneur d'être sur le premier track du CD2. Aïe. Bien vu. Ça, c'est du bon. Trop sale. Gros album. Franchement, une grosse dédicace à mon frangin Gros Dash. C'est celui-là, on booste ici. Moi, je viens du 9-5 et même dans le 9-5, on booste celui-là. Où dans le 9-5? Sergi. Ok. Yes, Saint-Christophe ou pas? Saint-Christophe. Pas. C'est celui-là. Alors, le CD2, moi, je suis toujours intéressé par le fait qu'un artiste veuille sortir un double album. Mm-hmm. Pourquoi? Tu fais trop de morceaux et tu veux tous les placer? Ou parce que tu penses qu'au niveau de la qualité, il vaut mieux offrir plusieurs choses pour que l'album soit plus facilement acheté? Ben, en fait, ça a été un concours de circonstances. Il se trouve que j'étais parti sur cet album et je voulais être tellement... Je voulais tellement faire un album de dingue, je me suis dit il faut que je fasse au moins 50 titres et j'en sors 15. J'en fais 50, j'en sors 15, je voulais même monter jusqu'à 60 titres et tout, j'étais chaud. Et au fur et à mesure qu'on a fait les morceaux, après il fallait décider lesquels mixer, lesquels finaliser. J'étais à peu près 35 titres peut-être. Je suis parti au Maroc et tout, j'ai écouté les sons, je me suis vraiment retrouvé avec moi-même, j'ai écouté et j'ai gardé 30 titres quoi, tu vois. Tu as raté ce que tu voulais faire à la base. J'ai loupé complètement ce que je voulais faire. Je voulais faire un album simple, mais il y en avait 30 qui déchiraient quoi. Ouais, il y en avait 30. Tu pouvais pas choisir quoi. Et je me suis dit que si je les mettais de côté, le problème c'est que je chantais que j'étais déjà dans une autre phase de progression, de mutation. Tu les utilises pas. Je chantais que j'allais pas les utiliser ou les mettre sur une mixtape ou quoi, mais ça allait plus vraiment être d'actualité. Ouais. Parce que justement, on va parler du titre Enfant Soldat. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre? Ben, j'ai choisi ce titre en hommage à tous les Kadogo, comme on les appelle chez nous. C'est les enfants soldats en Afrique qui se battent. Et quand on entend qu'il y a des guerres en Afrique, c'est pas des adultes qui se battent. Hein. La plupart du temps, c'est des enfants soldats. Chez nous-mêmes au Congo... Ils sont drogués même d'ailleurs. Voilà, drogués comme pas possible. Chez nous-mêmes au Congo, le père du président actuel, il est arrivé carrément dans la ville... emmené par les enfants soldats quoi. C'était les enfants qui lui ouvraient la route. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est un hommage à toutes ces enfants sacrifiés. Et un parallèle aussi avec la vie qu'on a ici, la vie que j'ai connue dans les quartiers. Et ici j'ai découvert ça, qu'il y avait des gens qui étaient en mode soldat militaire pour la cité. Ouais. On lui dit demain 17h on va tirer sur des mecs. Il sait pas c'est 16h58, qui 16h58 il est là, les gants, tout ça. C'est c'est un parallèle entre ces deux guerres. Toi, t'es né en Afrique? Moi, je suis né en France, mais un an, je suis rentré direct à Brazzaville, en fait. Ah, ok. T'as vécu là-bas? J'ai vécu là-bas jusqu'à 13 ans et je suis revenu à cause de la guerre, justement, en fait. Il y a eu la guerre à Brazzaville. Okay. Ma maison, elle a brûlé. Il y a des bombes qui sont tombées sur mon école, tout ça. L'école, elle a fermé. Donc, j'avais pas le choix que de venir continuer mes études en France. Okay. Et c'est un peu de là que tout commence, quoi. Ah, je fréquente plein de potes, mais je te présente pas les pires. Tu les verras dans mes clips, sous une écharpe Palestine. En train de parler cheese, défoncé sous tease. Dernière technique furtive pour esquiver les déquises. On bouge, mais c'est jamais sans l'équipe. Jamais sans les 10, pas de recalé dans l'équipe. Pas de location dans les clips. Sonar à la prod sur les chicots, bientôt les cristaux. Yeah! Si vous avez des choses à rajouter, messieurs, ne vous privez pas. Non, mais je sais qu'il n'y a pas de balance à la table là. Hein, les gars? Ouais. Tout le monde rigole. Bon, je commence par le premier dossier. Dernièrement, vous avez fait un show en Suisse. Ouais. Nacedo s'est arrêté sur l'autoroute pour aller chercher des cigarettes maison dans le coffre. J'aime bien ce terme de cigarette maison. Il a fouillé. Il a sorti 2-3 trucs du coffre et il repart. À la base, il paraît que toi, t'avais deux paires de Jordan dans ce coffre. Voilà.
sur scène, tu t'es retrouvé avec deux paires en une seule. Deux en un, frère. Voilà. Non, le bon. Négro. Où étaient les deux autres chaussures? Sur l'autoroute. Ah là là. Qui c'est qui a lâché ce dossier, putain, les gars? C'est nous, tiens. C'est Mami Nova. C'est Mami Nova. Est-ce que tes deux chaussures étaient de deux couleurs différentes déjà? C'est ça que je veux deux savoir. Deux couleurs totalement différentes, mec. Comment t'expliques le fait que les gens soient aussi passéistes et nostalgiques avec le son? Ben parce que on est pas mal de kiffeurs, mais moi je pense pas que justement que les gens ils soient nostalgiques, pas dans le rap en tout cas, pas dans le rap français, parce qu'en ce moment tout le monde est plus dans un délire de futur, ouais, tout le monde de veut nouveauté, faire de la dance, mais quand même, tout le monde ouais. veut faire de la techno, là, tout là, ça. Là tu parles de nouveauté au niveau des sons, mais ouais. au niveau des textes, etc. Enfin, ça c'est redondant. Nous les gens qui passent dans les studios, ils nous disent souvent ouais putain c'était mieux avant. Ouais, mais à part un mec comme Driver là qui peut me dire que le gars il kick comme à l'époque et tout, des bons beats jazzy tout ça, ou des mecs comme Zoxy, Sage Poète et tout. Il y en a beaucoup qui disent le rap c'était mieux avant, mais ils font du rap de techno. Alors si le rap c'est mieux avant, fais-nous des bons beats, refrains scratchés, tout ça, il y en a plus. Tout le monde dit qu'il est nostalgique, mais quel DJ sort des mixtapes, quel rappeur invite plein de mecs qui connaît pas sur un morceau, ça existe plus tout ça. C'est du marketing de dire que le rap c'était mieux avant en fait, tu vois. Maintenant il s'agit de faire revivre. Le challenge c'est de réussir à redonner les émotions d'avant avec du rap moderne. Je pense c'est ça le challenge. Garder ce qui était efficace d'avant, ne pas l'enlever. Driver est dans les parages, un nouveau carnage. Le micro et moi ça fait déjà 20 ans de mariage. Le micro est hostile donc je top spin. Faut du top spin, moi je top spin. Tu vas devenir dingue, je perds plus dans ce milieu, t'inquiète pas, je plane. Driver, sarcelle, flanade, je monte en grade. Range ton flingue poteau, je suis lyrical, grenade. Je fais vibrer le stade, la baleine en balade. Je passe le salut, le salam, je suivrai pas de salade. Si je dis n'importe quoi, c'est sur le compte de la crise. Je ferai de ta vie un enfer, ça sera les comptes de la crise. Oh yeah. Non, là, c'est un flash battle mix. C'est trop bien, moi. Voilà, c'est comme moi. Maintenant, c'est un peu la suite. Comment on dirait c'est quoi? Ça va quoi? Non, 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 non. Comment ambiance de messe comme ça? Ils sont pas fâches comme ça d'habitude. Ils sont en train de te mentir, c'est pas trop pour vous Youssoupha rejoint les studios. Voilà. Mais tu m'as surpris même, tu m'as surpris. Avec un peigne à fond. Bah ouais. Oui. Attends. Alors, Youssoupha, là, un truc. Je t'ai fait peur. Oui, avec un peigne afro. Oui, j'étais en train de feuilleter le livret de l'homme. Mais oui. Le gars est beau. Il te plaît. Il me plaît beaucoup. Non. Alors, ce visuel, le photographe, on doit ça à qui, etc. YKO, le magicien de l'équipe Flyman, photographe hors pair, graphiste hors pair. Donc en fait, Flyman Vision, pour situer le truc, c'est la boîte qu'on a montée avec RC, Y, toute l'équipe, une spéciale aussi pour Destin, pour Mister Makusu Desu aussi, tu vois. Donc voilà, on est une bande de potes, de visionnaires, et on s'est associés pour faire une boîte et pour donner de l'image, du visuel, mettre tout ça en forme. On avait commencé avec mon premier CD, La Vie de Rêve. Sur lequel on avait fait l'entière pochette, mais c'était juste un livret 4 pages. La première de couverture et la dernière de couverture, justement. Voilà. Je te laisse expliquer. La dualité, voilà, Paris, Kinshasa, le quartier, l'Afrique, voilà, ce entre quoi je suis tiraillé. Et puis acheter le CD quoi. Youssoupha, je sais pas si tu valides, mais voilà. Gros travail de sap hein. Non, parce que gros travail de sap de malade. T'as vu ou pas? Non mais grave, le faut gars. Faut souligner. Moi quand j'ai posé pour l'album, j'étais chez lui, il m'a pas montré l'armoire. Tu vois, j'ai découvert, moi il m'a ramené dans des coins avec des joggings.
Là, bah, il a des chapeaux, des bails de veste. C'est le côté congolais. C'est la stratégie, la stratégie. Ah, il a lâché cette salle. Il y a le t-shirt rose aussi. Lui, toujours. Mais décidément. Mais foutez-le dehors. Black Eric Zemmour est avec nous. Le Black Zemmour. Black Zemmour. Non, ça, c'est les mamzelles qui vont bien aimer des t-shirts avec des. C'est comment elle s'appelle? Lisa Simpson. Lisa Simpson. Attends. On est sensible aussi, tu vois, non, au moins. Ah, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire. C'est tout l'univers de Dash en vrai, hein, parce que ça part des enfants soldats jusqu'au. Moi, je te mets au t-shirt fashion et quoi que ce soit. C'est les parisiens. J'en fais tomber mon peigne. Il y a une phrase qui dit dans l'album: le système nous rend fashion, mais bon, au fond, chacun son look. Moi, dans la tête, j'ai la tenue guerrière de Chaka Zulu. Bim. Je suis avec ma mère, c'est l'Orac. Yeah. Je suis avec Nacedo. Yeah. Je suis avec Driver la Terreur. Yeah. Yeah. Ça va chier. Oh. Qui veut la paix, prépare la guerre. Yeah. Qui vole ma paix, j'éclate ta mère. Je suis venu pour baiser la prod. Yes, I can, c'est ma garçonnière. Yeah. Fidèle aux poches, j'ai la rime sale depuis l'époque. Chizo, casse posée sur mon oreille, j'écris les strophes. Les idées proches de Lumumba, on veut décrocher le Bombay, négro. Oh. C'est leur congrès, ici l'État fait que nous condamne. Investi dans les organes, les filles de l'Est ou la vente d'armes. Si tu veux peser des millions, le Buscador, c'est plus rentable. Les petits adorent quand tu t'emballes, plein de muscador et le champagne. Regarde mon dos, moi je reviens de loin, et t'as te corré mes enfants. Oh. De Praza à Kinshasa, rien qu'on casse quatre comme ces petits nègres. Ici on danse le quoi, ça pas le stinky leg. 20 lettres, lettres, on vas-y, mettre. J'esquisse des œuvres d'art, je suis Léonard de Vinci, nègre. J'incinère le beat, du coup les négros flippent. Le rap est mort, mais je lui fais l'amour, c'est mon côté négro flip. Flashback avant la crise, hey. Black sous camise, hey. Chaud d'art, trop dark, gros d'archise. Dans la rue y'a plus de respect, les mecs s'opposent. Avec le temps la rue n'a plus ses règles, comme une femme on met le pose. Main pose, MC, relax. A force vouloir nous imiter, on pourrait t'appeler Willax. Mon couplet pour les villages, les villas et les têtes en l'air. Les cailles à tête en l'air et jette ton Y en l'air. 1, 2, 3, 1, crois à l'adrénaline depuis le plus jeune âge. En marge, oublié que la mort était très maligne. Mes frères s'allient comme des rails s'alignent. Fallait y penser quand vient la folie, tout déraille. Tous dérègent, tous verra les rêves. Quand tous paient, tout dérape, c'est toi qui tiens les rênes. Et tous perdent, je vais y arriver. J'fous mes scarles en selle, new school ou à l'ancienne. J'fais mes pailles en scène. Quand on se nique la gueule, on se fait honte. J'ai fait la guerre toute ma vie à celui qui me faisait de l'ombre. Mais c'est pas ça qui fait l'homme. On rêve de plus de respect, moins de traîtrise. On rêve juste de rester vrai. Exécrable, non je vais être respectable. Et quand ça se dégrade, faut savoir juste rester calme. Insociable à l'école, et pas parce que je foutais rien. Je fréquente déjà trop tôt l'économie souterraine. Yeah. Le truc que je sais pas, beaucoup de gens savent pas, je crois. Et je crois que tu le dis pas. C'est Dash, il co-réalise beaucoup de ses clips, il y en a qui réalisent lui-même. Ouais. En fait, il a fait le truc que moi je fais, mais j'aimerais faire plutôt. Mais je sais pas, des fois t'es un peu complexé, tu te dis merde, est-ce que je vais me louper et tout. Uh-huh. Et quand on a fait le clip de Flashback, c'est lui qui me plaçait. Je dis non, mais pourquoi tu me places, frère? Viens rapper, non? Viens rapper. Et il me dit non, mais c'est moi le réal aussi. Je fais putain, tu réalises et tout. Il fait ouais, bah c'est, là c'est pas le premier sur lequel. Après, il y a l'équipe, bien entendu, et tout ça là, mais on y est tous un peu derrière la caméra, un peu devant, et puis voilà. Et voilà quoi. Et surtout, les sans saucer ni rien, les clips ils sont très propres. Donc voilà quoi. Je confirme. Pourrait se la péter un peu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu dommage. Big up. C'est ton moment. C'est du flyman. C'est du flyman. Et tu peux nous parler un peu des featuring ? Bon, bah il y a Youssoupha qui est sur le. Le parolier. Rockin' Squad qu'on peut retrouver aussi sur le morceau Flashback Remix. J'ai vu ce rapprochement très brésilien. Ouais, dingue. On s'est parlé pour la première fois au Brésil tous les deux et okay. Depuis de fil en aiguille, les connexions se font et je pense qu'on va nous voir pas mal ensemble dans les prochains mois et tout. Et au point que sur le clip il parlait portugais, je me sentais exclu. Et les mecs ils étaient dans leur délire Copacabana ou quoi que ce soit. Périgose. Pas grave, hein. Périgose. On était juste dans le Val-de-Marne, mais les gars, voilà quoi. Ils croyaient que t'es brésilien. Ah, terrible. Non, bête de connexion en tout cas, ouais. Il y a RC Laura qui est ici présent,
qui m'a beaucoup aidé pour la réalisation de l'album, qui était au four, au moulin, donc spécial au studio, en train de gérer l'électricité. mais vu la fumée en studio, c'était bien au four. C'était plus au four quand même. Voilà. UMIC. On trouve aussi Fixé PKR, bien sûr, la famille. On peut retrouver aussi Karine, la queen. On peut retrouver Freddy. Freddy Massamba des Tambours de Brazza. C'est un groupe très célèbre du côté du Congo, très connu en Afrique aussi, qui font beaucoup de tournées internationales. On peut retrouver aussi Alexis Cantra aussi, j'ai vu. Un ambianceur de Papa Wemba, tout ça, un mec mythique, légendaire. Un chanteur du bled et tout. On peut retrouver aussi Alexis Cantral, un rocker, le roumain qui faisait des prods pour Seth Gecko et tout. Maintenant, il s'est lancé dans une carrière de rock. Et il m'a fait un beat complètement rock pour l'album, grosse guitare électrique de dingue. Et il a chanté aussi dans le morceau. Et moi, j'aimerais tu m'expliques un truc qui a rien à voir. La Suisse. Ouais. Qu'est-ce que tu leur as fait? J'ai vu des vidéos de ce monsieur. C'est une rockstar en Suisse. Le mec arrive sur scène, les gens sont déchaînés, sautent au plafond. Slam! Je vois les gens, ils se montent dessus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas, L'argent suisse lui parle, je ne sais pas. C'est la bon même truc qui a les banques, mais je ne sais pas. Le chocolat, la salade. Je ne sais pas. Franchement, t'as vu ce que je kiffe avec ces gens-là? C'est que à chaque fois que tu retourneras là-bas, ça sera du love qu'on te donnera, parce que on se contente de juger la musique. Et en France, il y a trop de paramètres qui sont rentrés en jeu et qui ont pourri la musique, je trouve, tu vois. Okay. Qui ont pourri le public. C'est en train de revenir, tu vois. On a refait quelques petites scènes sur Paris. On était au Bataclan. C'était un petit feu presque sympa, tu vois. Franchement, c'était sympa. Lourd. Et c'est en train de revenir. Ou alors peut-être que soit c'est en train de revenir, soit je suis plus connu qu'avant sur Paris. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre, tu vois. Ça doit être un peu des deux. Et donc voilà. Mais en tout cas, big up au public suisse. Et tu vois, avec des mecs comme Youssoupha et tout, quand tu kicks, t'as de la punchline là-bas. Ils te parlent des punchlines que même en France, on t'en a jamais parlé de celle-là. Ah, tu vois, les vrais trucs que t'as pris du plaisir à écrire, eux, ils le ressentent. Ils le ressentent vraiment. Ils sont connectés avec ça. Et big up, big up. Voilà. Excessif, toujours là pour soutenir aussi. On a tout dit. À part que. Acharné malgré ce qu'on dit, HIP ma raison de vivre. J'tape sa salle sur Blackberry. Pas le temps d'apprendre mes lyrics. Y'aura toujours un gars de ta ville pour. Jamais arrivé. Chisole.